Allez, entrez au parc. Vous voyez ce parc qui s'anime évidemment avec l'ensemble de ses triathlètes. Avec Guillaume Bouchard, a priori, serait reparti. Il y aurait eu une erreur avec Guillaume Bouchard sur le départ. Allez, c'est Toutoukine avec son dossard numéro 1 qui s'élance, mesdames et messieurs. La bagarre est lancée. Allez, go, go, go avec Thomas Renauto, Valentin Rouvier. Ça va aller évidemment très, très vite. Brian Le Toquin, Hugo Dragon, Alexandre Beau pour un triathlon. Frédéric Pierra à l'instant même. Devant l'explication, Toutoukine, Renauto, Rouvier. Derrière, en embuscade à quelques mètres, je dirais, derrière. Le Toquin, Dragon, Beau et Pierra. La bagarre, mesdames et messieurs, annoncée, bien lancée. Voilà le dénouement final. Non pas sur ces premiers mètres, mais sur les 10 km proposés sur cette 32e édition. Ça va chauffer, je peux vous assurer, sur le front de mer de Saint-Jean-de-Mont. Les couleurs de Versailles dans l'air de transition. Eh oui, je vous le disais, pour les couleurs de Versailles, lui aussi, attention à surveiller, il court vraiment très, très vite. Voilà, sortie du parc. Ouais, hop là, avec Ludovic Echalard pour Versailles Triathlon, juste derrière Teddy Cambou de Sable Tri. Départ extrêmement rapide des garçons, on le sait, hein, sur un départ de 10 kilomètres. Il faut imprimer un gros, gros rythme. Il faut impressionner ses adversaires, leur faire sentir qu'ils ne pourront pas coller, ne pourront pas rester dans l'allure. Ils ne pourront pas rester même dans l'ombre. Donc, voilà pourquoi les départs des 10 km sur la distance M, eh bien, ils sont toujours extrêmement rapides. Ils vont aller du côté de la piscine faire une petite boucle et ensuite, nous les reverrons passer derrière le podium, puis le long du parc vélo. Ah, il a animé hein, ce vélo. Voilà, il part malheureusement retardé. Il était reparti, hein, Guillaume Bouchard, sur une quatrième boucle vélo. Il n'y en avait que trois aujourd'hui, malheureusement. Celui qui a animé donc une grande partie de cette partie cyclisme, eh bien, se voit partir donc à l'arrière du groupe. Ça va être compliqué maintenant pour Guillaume. Allez, mesdames et messieurs, avec les féminines. Et oui, la bagarre est lancée également avec Cindy Pomares pour le Team Charente, le Stade Poitevin avec Laetitia Lance. Elles sont sorties quasiment ensemble à l'issue de la natation, ont roulé ensemble. Eh bien, c'est tout naturel de les voir et de les retrouver sur ce départ de 10 km ensemble pour se livrer la bagarre finale derrière. On va enchaîner également ces sorties de parc vélo. Allez, avec Sylvain Lebris. Ah, il va falloir serrer les dents, mon Sylvain. Voilà, ça va remonter à l'arrière du podium. Mesdames et messieurs, ils vont passer juste derrière vous. Regardez, sur le côté du podium, la tête de course, juste là. Avec Thomas Renauto qui prend les commandes devant Ivan Toutoukine. Je vous l'avais dit, attention à Thomas Renauto, mais c'est le début de course. En troisième position, Brian Le Toquin. La quatrième place pour Valentin Rouvier. Ah, Valentin, il a couru 35 minutes hier sur le 10 kills. Ça risque de piquer. Hein. Allez, Hugo Garagon qui passe. On a Alexandre Beau. Et Alexandre Beau, effectivement. Voilà, ça commence à s'étirer un peu chez les garçons. Donc, la bagarre à l'avant entre Thomas Renauto et Ivan Toutoukine.
Allez, derrière, ça enchaîne. On va revenir sur le direct. On a eu les sorties avec Florian Loret, Frédéric Simoneau. Voilà, on revient. Oh là, ça va vite hein, maintenant. Élise Maury, tiens, pour les féminines, la troisième féminine. Allez, Élise. Allez, Céline Viau également, là, pour les couleurs des sables Vendée Triathlon en quatrième position. Olivier Floz. Et derrière s'enchaîne avec Maxime Etienne, on a Yann Guiriec, on a Mathieu Guérin également. Ah, des écarts importants, Steve. Hein. Merci, Steve. Allez, sortie de l'ère de transition. On a eu Yann Guiriec, on en a parlé, Maxime Etienne, Mathieu Guérin. Allez, du côté des féminines, Lauriane Box. Oui, Box avec les couleurs de Sainte Triathlon. Allez, le retour de la tête de course. Fin de la première des quatre boucles de course à pied. Et regardez, regardez le beau mano à mano entre Thomas Renotto et Ivan Toutoukine. Ivan Toutoukine, comme tout à l'heure, dans un fauteuil. Hein, derrière, calé, derrière. Et c'est Thomas Renotto qui mène. Allez, mesdames et messieurs, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Il est facile, le Thomas, il est facile, je vous le dis, moi. Allez, derrière, Dossard. Allez, Brian, le Toca. Ouais, Brian, qui était sorti en tête à l'issue de la natation. Et le grand Valentin Rouvier. Ah, ça doit piquer, hein. Dans les cuisseaux de chez Valentin Rouvier. Allez, derrière. Allez, le Montois, Hugo d'Aragon. Oui, 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 les couleurs de Saint-Jean-de-Mont avec Hugo d'Aragon. Allez, Hugo, on serre les dents. Ah, on a connu le public montois plus bruyant. Plus nombreux aussi. Il doit y avoir un match de foot, je pense. Ça fait bizarre, hein. D'habitude, c'était noir de monde. C'est pas la peine qu'ils regardent le foot, hein. On perd déjà 1-0. On va peut-être en reprendre encore un petit. Hein ? Je suis optimiste, hein, vous voyez, c'est... C'est dans sa nature. Vous sentez que j'adore le foot, hein. J'adore ça. Lui, du moment que le Portugal il a gagné, il est content. Les Français perdent 1-0. Mais ils l'ont pris tout de suite, hein. Au bout d'une minute de jeu, ils ont pris un pénalty, comme ça, ça s'est fait. Ils ont failli en prendre un autre peu de temps après, d'ailleurs. Je vous passe les détails. Hein. Moi, j'étais content. Hier soir, le Portugal s'est qualifié. Garcia, c'est un nom du Nord, du Nord de l'Europe, ça. D'ailleurs, on va gagner. Hein. On va gagner. Bon, pour l'instant, on est sur le triathlon, les amis. Hein. Allez. Allez, le passage de Frédéric Pierrat. Allez, Frédéric Pierrat qui va passer avec les couleurs de La Rochelle se lance un défi hein, dans quelques temps. Le tour de l'île dorée à la nage. 63 à bornes, à enquiller, à regarder les poissons. 63 km de natation. Oh, puis Ludo et Chalard. Ça va, Ludo ?
Allez, il lâche rien non plus, oui. Celui-là. Oh, c'est le un guerrier. Gros Udo. Ah. Ah, regardez ça. Ah, il arrache. Il arrache le sol. Il griffe le sol. On dirait Steve Defort dans ses grands jours. Enfin, il y a très, très longtemps. Hein. Très, très longtemps. Hein. D'ailleurs, peu de gens... On peut pas s'en rappeler. Nous, on connaissait pas le triathlon à l'époque. Vous savez qui c'est, Steve Defort? Vous savez qui c'est? C'est le grand, là. Allez, couleur de sablé avec Teddy Cambou. Eh oui, il décontracte un peu le haut du corps. Allez, on reprend, voilà, le rythme et on l'applaudit. Go, go, go! Allez, dans quelques minutes, nous allons voir le retour des premières féminines. Je vous rappelle, la belle bagarre, hein, Steve, hein, chez les féminines. Elles ont quasiment nagé ensemble. En tout cas, elles ont roulé ensemble. Et c'est Lance, Cindy et Laetitia. Allez, c'est le départ de la course à pied pour tous nos amis. Là. Allez-y, allez-y, allez, on y va, 10 km. Allez, avec Bertrand Monod, Jérôme Caillot, Frédéric Leroux, Paul Boudot, Antoine Ferron, Stéphane Pontet. Oh, quel joli prénom. Ah, il nous l'a fait à chaque fois. Voilà, la mi-temps est terminée, le match est reparti. PTT Angers, tiens, on y sera mi-juillet. Beau week-end à Angers. Week-end de triathlon, bien sûr. Les couleurs de Metz-Saint-Nazaire. Allez, garçons. Allez, go, go, go. Allez, le passage dans quelques instants de la troisième féminine. Regardez, elle va courir. Eh, ça envoie. Ah, elle n'a pas lâché le morceau. Pour remonter petit à petit. Là, ça me fout la trouille, moi, ça. Quand je vois ça, cette allure là. Me dit, il va s'en passer les choses. Il va s'en passer. Devant, faut pas que ça craque. Hein. Ah, faut pas que ça craque. Il va pas falloir qu'elle lève le pied. Parce qu'on la connaît. Parce que même si la première est en tête, hein, ça peut changer. Ça va, public? Ah, c'est bon. J'ai eu peur à un moment donné qu'on soit tout seul. Mais ça y est, ils sont partis voir le match. Restez avec nous, hein. C'est là que le spectacle a lieu. Il y a eu virage contrôlé.
les couleurs de Metz-Saint-Nazaire. C'est parti, c'est parti. Allez, Hugo Dragon pour les couleurs. Montoise qui va en passer dans quelques instants devant le carpodium du Conseil Général. Allez, Hugo. Allez, la Vendée, allez, Saint-Jean-de-Mont. On pourrait dire go, go, hein. Le coq n'est pas mort, mesdames et messieurs. Antoine Griezmann. Super but là, de la tête. Bravo, bravo, c'est bien. Allez. Non, non, c'est bon. Et grâce à ça, justement, on arrive à garder notre public. Alors que du côté de la tête de course féminine, Laetitia Lone se compte maintenant une vingtaine de secondes sur la sociétaire du team Charente, Cindy Price. Attention, la nageuse Cindy est en train de perdre. Tout à l'heure. Allez, la tête de course féminine. Allez, ici, allez, Laetitia Lone, s'il vous plaît.
sur notre terrasse. On va peut-être les apercevoir. Allez, les couleurs se jaunissent. Le passage du Gaulle d'Aragon pour Saint-Jean-de-Mont.
depuis hier, 14h, dont le premier départ a été donné à 14h hier, il y avait déjà du monde. Vous êtes encore nombreux ici sur le champ de mer pour accueillir, pour aider, pour supporter, pour encourager tous ces triathlètes. Merci, mille fois merci. Allez, passage d'Élise Morier, allez, une minute dans le terrain sur Élise Morier. Autant dire que ça va être trop juste. Laetitia Lenz, partie pour
foot. Hein. Les Lyonnais mêlés ici à Saint-Jean-de-Mont. On est au long du match. Avec 3 minutes de temps additionnel, ce sera la qualification pour l'équipe de France. On va passer un petit peu comme pour Fabien. Le coach est toujours vivant. Il est là, le coach. Le coach de l'équipe de France.
Fischer. Eddie Guiton. Thank you.
Allez, le final sous les applaudissements de Sarah de Saint. Il va franchir la ligne d'arrivée. C'est Frédéric Massé. Bravo Frédéric. Ces athlètes de se présenter. Ivan Toutoukine, Thomas Breton, Valentin Rouvier, Laetitia.
remercier.